Le CSS est devenu beaucoup mieux. Pas mal de choses qui avant demandaient d'utiliser des librairies, des outils, des trucs compliqués ont été remplacés par tout simplement CSS avec l'évolution de CSS qui ont été présentées dans le Google I.O. 2024 récap que tu peux retrouver juste ici et je vais te faire une petite review de toutes les modifications sans parler trop technique parce qu'il y a pas mal de choses à apprendre et c'est pas encore supporté. Donc, déjà, premier warning la majorité des features que je te montre ici ne sont que supportées. Sur sur Google Chrome. La première chose que je peux te montrer, c'est la puissance des animations lors du scroll qui ont été maintenant rajoutées de manière native avec ces deux propriétés, Animation Range et Animation Timeline. Dans Animation Timeline, on peut utiliser comme ceci View euh, ou Scroll et comme ça, on va pouvoir avoir des animations lors du scroll qui vont s'activer lors du scroll. Et c'est ce qu'on peut voir sur ce code pen que je t'ai montré juste ici. Donc ici c'est des images, et tu peux voir que ces images quand je scroll, eh ben, elles s'animent exactement lors de mon scroll. Et tout ça sans JavaScript. C'est tout simplement le CSS qui gère l'affichage la, de cette animation lors du scroll. Pour faire ceci, il n'y a que deux éléments, animation Timeline, View et Animation Range on Entry Zero Cover. Qu'est-ce que c'est Animation Range qui est la deuxième page que j'ai ouverte, et bah ça va nous permettre de définir le start et la fin d'une animation qui vient d'une timeline. Donc on a par exemple normal, on a la 20% du normal, on a 100px, on a le cover qui est l'équivalent de 0 à 100% de ce que j'ai compris. Et donc ici c'est ce qu'on voit, et on a par exemple entry, 10 exit cover. Et donc tout ça, ça va nous permettre de paramétrer tout ça. J'ai pas encore tout compris, je me suis pas encore totalement appris comment ça fonctionnait, mais en tout cas on va pouvoir faire des animations comme euh, on le montre sur l'article ici des animations de ce style-là tout ça sans JavaScript donc tu vois qu'ici quand on scroll il y a une border qui apparaît petit à petit il y a tous les éléments qui bougent il y a la la taille du de la de, de la personne là qui bouge, le, les textes, etc. Et comme ça, on arrive sur cette animation. Donc c'est quand même assez joli quand on voit tout ça. Et en plus d'être joli, c'est vraiment pratique parce que entre nous, c'était assez compliqué de le faire à l'époque. En tout cas, moi je sais que chaque fois, ces animations lors du scroll, c'est euh, plein de librairies, plein de JavaScript. Et généralement, on utilise euh, Framer euh, Motion qui nous permet de gérer tout ça. Et bah, si c'est en CSS natif, pour certains sites, ça va vraiment être très pratique. Maintenant, on a le deuxième truc le plus cheaté, c'est le View Transition. Le View Transition va Va nous permettre d'animer des views, de manière à animer la position A à la position B d'un élément. C'est-à-dire que souvent en web, on a des éléments qui se déplacent comme je vais cliquer ici, d'une position A à une position B, et il n'y a pas d'animation. Et là, tu peux voir qu'il y a cette animation toute simple. Et pour faire cette animation, tout ce qu'ils ont fait, c'est rajouter ici une view transition name sur chaque élément, et qu'ensuite, ici, lors de la liste, ils n'ont pas fait grand-chose. Je ne crois pas qu'il y a de CSS spécifique à ça. Ce qui est intéressant c'est dans le javascript et ben bah dans le move up et ben bah ils appellent documents.startViewTransition transition et ils déplacent ensuite l'élément et vu que il y a un ID ici, c'est un peu comme les keys en React. Hein. Vu qu'il y a un ID ici, il arrive à identifier l'élément, il arrive à voir la modification, et donc il vient animer la view. Et donc ce qu'il fait, c'est un peu la même chose que Framer Motion ici, ce qu'on appelle le layout. Donc le layout, c'était déjà ça, ça nous permet, euh, je ne sais pas pourquoi j'ai ça, mais ça nous permet de animer un élément entre une position A et une position B, comme tu peux le voir, ou des propriétés. Et bien maintenant, ça fonctionne en CSS natif, et c'est assez dingue quand il pense. On peut aussi voir que la suppression fonctionne et cette fois tous les éléments sont euh, animés. Ce qu'il fait vraiment, c'est que lui, il s'occupe d'animer les éléments via leur ID, en définissant leur position de départ, leur position de fin, et en appliquant un style d'animation. Ce style d'animation, si je me trompe pas, il est défini check check check, je me rappelle plus où il est défini. Mais en tout cas, c'est super intéressant, on peut le voir ici. Cette euh, view transition ici, elle permet de faire ce, ce genre de choses à la Airbnb où tu vois que ici les images quand il vient faire retour, alors pas ici, mais quand il fait le prochain retour, tu peux voir que les images, elles se déplacent ici. Euh, les images, elles vont se déplacer, c'est grâce à ça vu qu'on identifie chaque élément. Et bah euh, le DOM arrive ensuite à reconstituer les images. La même chose ici quand on clique sur un élément ça l'affiche en euh, plain screen comme ceci et bah c'est encore une fois le DOM car il va se dire la carte elle débute ici ensuite elle arrive ici et donc il vient construire l'animation de lui même donc tout ça ça pourrait être fait en CSS natif et ça c'est l'exemple que je t'ai montré juste ici on pourrait aussi imaginer ce genre d'exemple où tout est animé donc en fait c'est un peu ce qu'on devait faire avec Framer Motion jusqu'à maintenant les deux trucs que je t'ai présenté la même chose ici avec la propriété View Transition Auto lors de la navigation et du coup là lors de la navigation si tu ajoutes les bonnes propriétés, il arrive à détecter que l'image n'a pas changé et donc à animer cette image. Ensuite, on a le popover, alors là c'est assez incroyable. Seulement quelques propriétés en rajoutant ici un Enter name et ici un euh, position ensure avec la propriété popover et en définissant sur le tool type, donc c'est cet élément juste ici, un inset area bottom. Et ben on peut afficher un élément, une tool type en fonction d'un élément. Tu peux voir qu'on peut l'afficher en haut, à droite, etc. Et tout ça, il y a toutes les propriétés qu'il faut et ça nous permet juste ici d'afficher un élément de manière euh, tout typifié en fonction d'un autre. Et tu vois que ici. Bah, ça fonctionne bien et qu'on peut venir évidemment changer la position. Donc si on regarde ici, il y a normalement une petite démo interactive du screen que je t'ai fait avant. Par exemple, si tu as envie de le placer ici, et eh bah tu peux faire in set area bottom span, span right. Et à ce moment-là, et eh bah il se place bottom span right comme ceci. Donc on va pouvoir gérer des tooltips. Tout ça sans JavaScript. C'est géré uniquement avec euh, le CSS. Il y a pas mal d'avantages par rapport au tooltip. Notamment le fait que cet tooltip sera toujours au-dessus de tout, parce que euh, c'est CSS. C'est Chrome qui décide. Ensuite, c'est tout le type, elle est accessible, etc. Donc, il y a plein d'éléments qui sont déjà gérés, comme tu peux le voir ici. Donc, ces tout le type sont vraiment très puissants. Tu peux le faire en seulement quelques lignes avec la propriété popover target. Ensuite, ici, tu mets l'ID. Cet ID, il correspond à l'ID qui est passé à notre popover. Pour activer la popover, il suffit d'ajouter la props popover. Et donc là, on a une popover qui est fonctionnelle. Et après, t'as plus qu'à cliquer sur l'élément et la popover s'affiche. Alors, j'ai pas encore vu comment faire une popover de over qui s'appelle aussi une tooltip, mais euh, ici ils appellent déjà ça une tooltip, mais c'est pas activé lors du over Et donc ce changement il est assez cool et assez puissant. Donc ici il y a d'autres euh, petites démos que j'ai pris. Euh, donc ici c'est aussi grâce à cette euh, ce paramètre parce que on utilise la propriété ensure qui se base sur la même chose. On place un élément en fonction d'autres éléments et donc on peut l'animer. Euh, donc celui-là c'est le plus impressionnant, mais il est assez compliqué comme exemple. Et sinon ça permet de faire ce genre de choses. Bah, tu cliques sur point point point, ça t'affiche le Menu, et tu peux ensuite cliquer sur le bouton que tu veux. Alors les développeurs chez Google Chrome de toute évidence ne sont pas très doués euh, en design parce que c'est moche mais c'est quand même là et euh, c'est vivant donc c'est euh, quand même déjà sympa qu'il y ait cet outil là, celui que je t'ai montré juste avant, qui est super cheaté. En fait, tu vas pouvoir utiliser cette nouvelle méthode ensure, avec ici une variable target, et en faisant left, right, bottom, etc. Et on va pouvoir placer un élément relatif à un autre, l'animer totalement, et du coup, comme ceci. Donc là, le CSS est un peu compliqué. Mais ce qui fait, c'est dès que tu over un élément, et qu'il est où, ou, ou qu'il est focus, et ben, bah, ça change le target à l'élément. Et donc, c'est pour ça que ça fait ça. C'est très joli, et c'est vraiment très intéressant. Finalement, on a le file salding. Et donc, celui-là, c'est ma propriété favorite. C'est celle qui me hype le plus. C'est Simplement le fait que ici euh, le texte area ici euh, qui se situe là, là et là, et eh ben il a une propriété qu'il a utilisé ici euh, min block size, etc. etc. Mais surtout, il a utilisé file sizing content donc file sizing content file sizing content. C'est une nouvelle propriété qui nous permet d'être appliquée à des contrôles comme un input text area select, etc. et il va venir gros. Donc s'agrandir ou se raptissir en fonction du contenu qu'il contient à l'intérieur. Et donc ça va nous permettre de faire ceci. Par exemple ici, hello, enter, 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 et tu vois que ici ça s'auto grandit, mais quand je supprime, ça s'auto rapetit. Donc généralement c'est ce qui est fait dans la majorité des textes que tu vois dans le web, c'est toujours responsive comme ça. La même chose avec ce select où là tu vois quand je clique, et eh ben ça s'agrandit, ça se raptisse, etc. Et la même chose avec cet input. Dès que j'écris salut ça va et ben bah tu vois que ça vient grandir en fonction de manière cette fois euh, horizontale en sachant que tout est paramétrable ça ce texte area il a mis une mine une max etc c'est pour ça que même quand j'enlève tout il fait trois lignes ensuite le select et ben bah, il a fait une mini line size de 5 ch donc c'est pour ça que même si tu mets high il y a quand même un petit peu d'espace et le input je crois qu'il a rien mis du tout et c'est pour ça que quand je mets rien et ben bah, il est tout petit comme ceci et donc ça c'est une nouvelle propriété file sizing content qui peut être appliquée à un form et c'est vraiment super pratique avec aussi ceci. Ensuite, on a un nouveau moyen d'aligner les contenus dans un bloc layout. Alors ça, c'est magique. C'est tout simplement qu'on va pouvoir utiliser une propriété qui s'appelle attention, chick 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 align content ici center et text align center pour venir centrer l'élément qui est juste ici. Donc là, si je mets juste un p parce que là, je crois qu'il a il a pété les plombs Si là je mets salut comme ceci dans cette div, tu peux voir qu'elle est centrée au milieu, alors même il n'y a pas de flex. Alors, qu'avant on était obligé d'utiliser flex. Pour faire ça tout ce qu'il utilise c'est text align parce que si on rajoute un background red sur l'input on peut voir qu'il fait toute la taille mais on peut lui mettre ici une whiz de fit content pour venir s'assurer qu'il est petit mais à ce moment là ça, ça casse le concept parce que le align content permet d'aligner le contenu de manière euh, vers, horizontale comme ceci au centre et du coup après vu que notre élément prend toute la taille comme ceci et que je viens lui mettre un text align center et bah ça l'aligne au centre et ensuite le texte align center, il l'aligne au centre comme ceci, et c'est comme ça qu'on a un élément au centre sans utiliser de display flex, et c'est assez cool. Et finalement, bah dans cet élément, il y a tous les trucs qu'on a déjà vus avec le texte wrap pretty qu'on avait déjà vu ensemble. On avait aussi déjà vu les typographies update, la nouvelle valeur oklch, la méthode light dark, et ça c'est tout ce qu'on avait déjà vu dans un, dans un autre dans un autre cours. Le container query. Ça aussi, c'est déjà disponible avec Tailwind. Il faut vraiment que je vous en fasse une vidéo. Et euh, tout ça, c'est les nouvelles nouveautés de CSS. Quel est le but de Chrome en faisant tout ça Et eh bien, le but, c'est d'arrêter d'avoir besoin de télécharger des librairies qui font 40 euh, mégaoctets. Je rigole, mais euh, tu comprends le concept. Et qu'à la place, on puisse faire la majorité des choses qu'on utilise très, 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 très souvent, comme des pop comme des euh, dialogues, comme le box-sizing, etc., sans avoir besoin de rajouter un script JavaScript. Ça va faire en sorte que les navigateurs soient plus légers, enfin que les pages web soient plus légères, qu'elles puissent être plus accessibles, que des gens dans le monde puissent plus facilement l'utiliser, donc c'est super. Si t'es hypé par ces nouveautés CSS, hésite pas à me dire dans les commentaires celles que tu as préférée. et on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao ciao